Regarde Mathis, les couleurs, comment on est habillé, ça fait grave Noël. Ah, pas du tout. On dirait au sort de prison. Ah ouais, Mathis, mets ça, s'il te plaît. Ah, mais il coule du nez. Ah, il se mouche dans mon truc. Ne se coule pas du nez. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être super cool. Je ne suis pas toute seule puisqu'on va faire une activité super sympa. Donc forcément il fallait être accompagné parce que plus on est de fous, plus on rit. C'est ça le dicton. Les invités, je ne les présente plus. D'ailleurs je vais pas les présenter, hop. Eh mon bonnet, j'ai les cheveux qui grattent. On a tous les deux un bonnet. Le Père Noël, mesdames et messieurs, en exclusivité sur cette chaîne. Il est venu directement de la Laponie pour cette vidéo. C'est en Laponie qu'il habite. Comment ça va monsieur le Père Noël? Bah ça va bien. Il est bizarre quand tu parles. Ah ho ho ho. Allez imite. Ah c'est juste dans le Fab et Mathis. Vous les connaissez évidemment. Aujourd'hui on va faire une activité super cool. Bon on est déjà en décembre donc on casse un petit peu le mythe du calendrier de l'Avent. Le concept de la vidéo c'est que j'ai acheté plein de calendriers de l'Avent un petit peu originaux. Genre des trucs pas avec des chocolats tu vois. Vraiment des concepts un petit peu différents. Et on va tous les ouvrir en intégralité aujourd'hui. Ça va être vraiment, il n'y a aucun respect des cases etc. C'est vraiment juste on dégomme les calendriers de l'Avent. Évidemment je commence cette vidéo par vous montrer le mien parce que c'est le plus beau de tous. Là c'est toi derrière, excellent ça. Bon vous l'avez sûrement déjà vu. Les on commence cailloux. Par lequel? Au cas où vous m'auriez pas reconnu, c'était moi. Mais c'est non, pas le Père putain, Noël. Mathis. Le calendrier phare de cette vidéo. Le calendrier fab. Ça va être celui-là. Celui qu'on attend tous. Celui-là, le local, on l'attend tous depuis super longtemps. J'ai attendu de le recevoir pour cette vidéo parce que, évidemment, c'est une œuvre d'art. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais nous avons reçu le calendrier de l'Avent d'Orcel. On va l'ouvrir tout à l'heure. Ah, c'est d'Orcel ça. Ouais, tu sais, il y a des gros je crois pour que te mettre à la ou dans le chacun hein, ses petits plaisirs coupables. Oh, mais c'est possible ça? Les gens font ça? C'est pour ça que j'ai fait venir Fab notamment parce qu'il y en a un. Je voulais absolument l'ouvrir avec lui. Moi, c'est juste qu'il y avait personne d'autre. Mais n'importe quoi. Comme ça, on peut tous ouvrir ensemble, etc. Mais ouais. Celui-là, il est trop trop bien. Calendrier de l'Avent, Harry Potter. Oh non, c'est sûr, il va y avoir des jelly. Mais je pense qu'en général, dans les trucs comme ça, on est toujours un peu déçus. Des trucs dégueulasses là. Mais j'espère qu'il y a des petites figurines et tout. Je sais pas trop. Non, vas-y, tu peux ouvrir. Oh non, je veux des. Ah non, mais toi, c'était pas spoilé. Je veux ça. Je le ramène. J'espère qu'il y aura une choco grenouille. Tu peux l'ouvrir. Ça y est, mais là tu vas éclater les cases avant. Mais de... non, ma vie. Regarde la délicatesse d'un homme. J'ai voulu acheter de base le calendrier de l'Avent Friends, mais il était out of stock. Ah ouais? Un petit peu comme mon calendrier. Au final, ils sont des giga bangers, c'est pour ça qu'ils sont plus dispo. Il est réfléchissant. Vernis. Ah oui! T'as les maisons et tout, divisé en 4. C'est très bon. Ah, venez, on ouvre les cases d'une maison moi, chacun. Moi je suis Serre d'Aigle. Moi je suis Serpentard. Ok, Serpentard, bah alors moi je toi, vais ouvrir. Toi t'es pour souffle, hein. Faut que jamais été toi. T'es très bien pour souffler la belette, là, c'est bon. Ça me tue. Pourquoi je serais pas Gryffondor? Parce que Gryffondor, c'est stylé. Trop tristant, c'est bah j'ouvre la case 24. Oh, mais elle est énorme! Ah, je suis trop contente! Ouais, c'est mignon, ouais. Ok, vas-y. Ça ira bien le bout de gaming. Bah non, ça m'ira bien. On choisit tous une case de l'autre truc, vas-y, choisis une case. Moi j'aime bien la forme de celle-là, c'est une petite étoile. Ça, je sais déjà ce que c'est. Mais c'est pas la forme des étoiles, c'est la forme des cartes qu'ils achètent dans Harry Potter avec les grenouilles oh et le chocolat. Ça a glissé. La case elle est vide. Bon bah, on l'ouvrira ah, après. Ah, elle est là. Oh, le scam. On l'ouvrira après. Oh non, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois... Mais je sais attendez. Qu'on est toujours non, un peu dessus sur les calendriers de l'Avent. Je crois que c'est ça. Pas ça. Oh, sympa, oh, ça. Un ça. Petit sachet, ça a l'air bien ça. C'est un tas de bagues. Un tas de bagues. Je croyais que c'était un tas de bagues. Un mini pochon. Pour ranger tes chaussettes. Est-ce que je t'entends penser? Ah. Et il a fait du voyage, ouais, celui-là. Pas mal. Il vient de Tinder directement. Ok, mon pape, vas-y, à toi, bonne pioche ou pas? Ok, ok, ça joue très individualiste. J'ai un torchon à lunettes! Un essuie-lunettes? La chance, ouais. Tiens, avec le, tu penses le que sac c'est à lunettes. Ah oui, c'est sûr. La 4. C'est mon anniversaire, le 4. Ah, on ouvre toujours mon anniversaire. Oh, porte-clés! On dirait que c'est un porte-clés, mais il y a des petits trucs, il y a un petit twist. Oh, c'est un petit porte-clés post-it. Ça, oh non, ça, ça, tu vas pouvoir écrire tes petites idées, ma vie. Tu voulais le porte-clés, tiens, je te l'offre. En plus, c'est la date de ton allez, anniversaire. Non, mais j'ai vu, il y en avait un. En plus, t'as le même, t'as le même tatouage. Oh, j'ai un truc rigolo. J'ai un truc rigolo. Adobe. C'est Adobe ça? Ah, c'est la choco grenouille. Ah non. Oh, non. Alors, ça, c'est le meilleur cadeau, ça. Attends, mais. C'est un surligneur. Alors, ça, je le garde. C'est un tampon. C'est vrai? Mais pas pour la chatte. Non, ça, ce sera dans le dorsal. Mets ta main comme ça. Oh, j'adore. C'est un petit Harry Potter, ta petite main Mathis. Ça, on garde. Et genre, ça, par exemple, c'est quoi? Ah, je sais, c'est un marque-page. The Night Bus qui veut dire. Le bus de nuit. Le bus de nuit. Ça, c'est un ballon. Ouais, ça tombe bien pour quelqu'un qui est gonflé. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Non mais c'est trop... C'est un pochon pour mettre du shit. Non c'est trop fort. Là c'est pour mettre une carte je pense. Ils sont inspirés de ton calendrier, ils ont mis un puzzle. Mais qu'est-ce que... C'est de The Good... C'est les pas de la carte... Mais oui. La carte du maraudeur. Mais oui Mathis, c'est la carte bien, du maraudeur. Je le sais mais à je quoi ça je connais sert. Mais en fait j'ai regardé tous les Harry Potter il y a une semaine. Ah ok. Avec qui? Attends j'avoue, trop bizarre là il sort. Ah, elle nous dit regarde. Elle nous dit fais attention au... Ouais. Oh,
du washi tape. Alors ça j'adore. Ça c'est un porte-clé. Ah, celui-là il est trop mignon. Mathis est en train de faire un puzzle là. Mais le puzzle tu peux pas le mettre toutes les pièces à son collier. En fait tout sert un peu à rien, mais c'est mignon, mais ça sert un peu à rien. Il y a une barrette. C'est un trombone. Petit débrief, beaucoup de tricks inutiles, beaucoup de plastique, n'achetez pas. Prochain calendrier. Deuxième calendrier, c'est un calendrier en termes d'idées, je trouve ça grave cool à offrir à ses gosses ou genre à prendre. On reste dans le même thème, la magie. Oui c'est vrai, c'est un calendrier de l'Avent de magie. Donc normalement il y a plein d'accessoires ou de fiches, enfin je sais pas comment ça se présente, mais de trucs pour réussir à faire des tours de magie quoi. Il y a plein de fiches, oh il va falloir lire. Bah c'est pour apprendre des tours. Oh les pauvres parents, t'imagines tous les matins il y a le gosse qui fait « Papa je t'ai fait un tour de magie ouais. » Ferme-la, je ta mère. Oh, c'est beau. Super sympa. Bon bah allez-y, choisissez une case les garçons. Je prends le 13. Oui, il n'y a jamais mon jour de naissance. Oui. Attendez, venez, on regarde pas et on doit faire le tour de magie. Vas-y, on prend tous une case et... Et on doit s'entraîner. Il y a un manuel ou on est censé comprendre ce qu'il faut faire tout seul. On se prend le jour de mon ex du coup. Ah c'est fou. Ah trop mignon, un petit truc là. Ah les gars, putain, fallait lire le dos. C'est ça, c'est le contenu d'une case. Ah mais oui, je sais ce que c'est ça. Ah c'est qu'ils font la même grandeur en vrai. Tu as l'impression que celui-là est plus grand. Mais en fait, ils font la même taille. Mais c'est un tour de magie ça. Bah c'est une effet optique. Mais tu croyais qu'il y avait un magicien dedans ou quoi? Mais non, mais je pensais qu'il y avait des accessoires pour faire un tour de magie. Ça sert à rien ça. Moi, regarde ce que j'ai eu ça. Oh le big flop. Allez, par contre tu l'achètes et dedans t'as 100 balles hein. Franchement c'est valable hein. Oh stylé. Mais ils sont même pas bien faits, c'est fou. Qu'est-ce que c'est? Ah là il y a des cartes, là peut-être ça peut servir à quelque chose. C'est pas très discret si c'est un type de magicien. C'est celle-là. Choisis une carte, mais vraiment au hasard hein. Il n'y a aucun indice, vraiment me la montrez pas. Fin du tour. Ouais, t'es arrivé jusque là en fait, c'est tellement de la merde qu'il te file une corde pour te pendre quoi. T'as vu, j'ai eu rien. Il faut mettre une clope dedans. Oh, ça c'est le premier truc cool. Donne. Ah oui, c'est ça. Oui. Ouais, let's go. On va prendre. Il y en a un qui marche. Bon, après on a pas lu le manuel. Hein. Manu. Non, ça tu l'as déjà fait une fois, on n'a pas réagi. Tu l'as fait deux fois, on n'a pas réagi. La troisième fois, c'est que toujours on réagira pas. Attention. Oh. C'est pas du tout la même corde. Fais voir s'il y a aucun effort. Oh, sympa quand même. Celui-là, il est validé. Pour des enfants, c'est rigolo ça. Non. Je vous sens pas convaincu. Mais c'est pour mettre l'œuf, c'est pour mettre dans l'œuf. Mais tout se connecte en fait. Je pense j'en ai un. Tu fais ça alors. Vous voyez ces papiers? Je le mets dans ma main. Le mec on voit là. Et attention. Oh mais ce merde. Il se transforme en œuf. Trop mignon. Oh. Ah bah non, attention, tu m'agresses. Ça marche pas. Oh. On a oublié le truc le plus important. Oh le pouce. Ah. Ah. Oh non. Oh la même couleur de peau, trop mignon. Ouais, t'as un pouce dans le nez mec. Bon. Ok, calendrier suivant. Pierre. Prochain calendrier, c'est un calendrier de Pierre et pas de Paul. Ni Jacques. Ni Pierre-Paul Jacques. Celui-là, je crois que c'est au moins 40 balles. Hein. Calendrier de Pierre, si vous n'êtes pas trop familier, il y a un truc qui s'appelle la lithothérapie. Ce serait du bien-être par les pierres, un peu comme du bien-être par les plantes. Et du coup, bah là, il y a plein de pierres différentes. Selon les croyances, etc., les pierres apporteraient différents bien-être aux gens. Quoi. Je ressens les énergies. Toujours plus. Non, mais laisse-moi ressentir les énergies. Waouh. Alors, attends, qu'est-ce que c'est? Pierre d'énergie. Ah oui, bah alors, Mathis, il a besoin un peu d'énergie des fois, de temps en temps. Qu'il est un peu mou. C'est même pas un caillou. Oh, c'est mieux ça. Oh, c'est du sel. Roll-on de quartz rose. Oh là, ça, c'est un roll-on. C'est la pierre du cœur. C'est la pierre du cœur. Et en gros, allez, tu te mets comme ça, tu vois. Non, y a pas d'odeur. Roll-on. C'est un déo. Oh non, s'il te plaît, gâche pas le calendrier. Pierre d'Alain. C'est la pierre d'Alain. C'est trop bien, j'adore. Quartz rose, moi j'en ai chez moi. C'est bien, c'est pour la stabilité émotionnelle. Bah, ça marche pas très bien. Elle a raté ma vanne. Oh, y'en a pas. Mais tu sais, moi j'aimerais trop croire aux trucs comme ça. Hein. Pierre de sagesse. C'est vrai que je suis vachement sage comme mec. Y'a pas un peu la pierre de la baise là? Toi, t'as eu la pierre du cœur toi. Non, mais c'est le quartz rose, c'est ça? Ah, bon, c'est normal. Ça, c'est la pierre du cœur, pas de la baise. Hein. Et Mathis. Oh non. Et Mathis. Ah, et Mathis, c'est bien. Moi j'ai adoré celui-là, pour l'instant, c'est mon préf. Budget, que l'on va faire la prochaine fois pour Théa, on fait des cailloux. On va à point P. Oh, une pelle de cailloux. Je pense un peu. Du gravier. On le met dans du vernis et on le ressort, elle est heureuse. Ça, c'est un calendrier, mon petit coin vert de jardinage. Trop bien pour ton jardin. Ça, en vrai, je trouve l'idée là incroyable, c'est trop stylé. Oui. Bah, après, par contre, on a bien vu l'état du potager. Mauvaise personne. Il y avait ça dans le colis, donc peut-être qu'il est tombé de. Peut-être qu'il est tombé d'une case, mais c'était pour faire pousser des haricots nains. Je vais m'éclater. Ah ouais, tu vas déclater de fou là. C'est un petit pot pour mettre de la terre dedans, je pense. Un peu déçu. Ah non, avec la totalité du truc, c'est bien. J'allais dire, c'est trop bien s'il y a des. Catastrophe.
C'est pour trouver de l'eau. C'est pour planter comme ça dans le truc et mettre Le nom. Le nom de ce que c'est, non, je sais pas. Bon, après, de toute façon, il doit y avoir un manuel, hein, j'imagine. En vrai, j'aime bien. Manu, non, il est pas là, il est trop gros. Putain, toujours la même blague, c'est fou. Amendement organique. Mais c'est pour mettre dans la terre. C'est du caca. C'est de la merde. On peut le consentir, s'il vous plaît. Et ben sachez que le caca ça sent meilleur que les colis d'avant. Oh le petit râteau. Non bah c'est pas de vanne. Et ben pas de vanne, pas de vanne. Est-ce que tu t'engages à dans un prochain Taz Week de faire un update sur les plantations que t'as pu faire avec ce calendrier? Ok. Ah du maïs, popcorn noir, radis. Franchement j'adore, j'ai envie de me faire un vrai potager sur ma terrasse. Ma vie, quand ça tombe sur moi les tomates cocktail. J'adore, il y a plein de plantes. Oh mais mec, mais elles sont violettes, c'est incroyable. Et franchement, il y a grave moyen de faire un bon potager. Hein. Pour ceux qui ont un potager chez eux ou qui genre ont un extérieur et qui veulent faire un potager, en vrai, acheter ce calendrier de l'avant, il est vraiment cool. Est-ce que finalement notre petit calendrier Harry Potter, il nous manque pas un petit peu? Bah non, tu vois. Ah, des gants. Oh, je suis super contente. Une pince à épiler. Cool. Tu me coupes pas les cheveux, Mathis. Mathis. Mais ça coupe hyper bien. Les gars, j'ai trop kiffé. Alors celui-là, c'était mon préf. Il coûtait pas si cher, il me semble qu'il était dans les 50€. Mais si je retrouve les infos, je vous les mettrai sur l'écran. Moi, j'ai un message à faire passer. Pourquoi McDo ne font jamais de conneries de l'avant? Mais mec, au bout de 24 jours, s'ils mettent un Big Mac, ça fait 24 jours qu'il attend dans le carton le Big Mac. Non, mais il pourrait faire avec du merch, bon, genre avec des chaussettes, des réductions pour aller chercher ton cheese. Mais oui. En mode ouvre le matin, t'as un bon pour un cheese et tu vas au McDo et tu prends ton cheese. Mais oui. McDo, si vous voulez co-créer un calendrier de l'avant. Prochain calendrier, c'est un calendrier qui n'a pas de pochette et il sent super bon. Et en gros, je vous explique, je crois que j'ai trouvé. C'est en gros un calendrier avec des trucs éco-responsables que tu peux réutiliser, genre des pailles réutilisables par exemple, ou des trucs comme ça, il me semble. Venez, on pioche tous un petit sachet et on ouvre. Ok. Miskin, c'est quoi? Ah, ça va être du thé, ça. Non, non, c'est du sable. Argile blanc et savon noir. Ouais, c'est possible que ce soit pour de l'entretien. Ah, bah voilà, bah ça, c'est un truc pour fabriquer notre. C'est pour créer ces produits ménagers, je pense. C'est bon. Non mais ça y est, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est des petits trucs comme ça, mais c'est des graines. Qu'est-ce que tu veux que... Enfin, tu vois, je fais ça, il y en a plus, quoi. C'est le retour du petit sac. Non. La concurrence, la baise. Oh, des pinces à linge. Oh non, c'est trop mignon, ça. Ah, non, mais en vrai, pour mes ouvriers, ça, c'est utile. Bien. Moi, je vais m'en servir. Hi, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est des mini trucs de terre pour planter les graines que je viens de lancer dans la boîte. Bah, attends, on va les retrouver. Premier degré, je suis trop contente. Des cotons réutilisables. Et ça, je m'en sers tous les jours. Donc ça, je suis super contente. Comme dirait un grand homme. Tu l'embêches. Elles sont pas souvent drôles tes blagues, mais là... Bah c'est un beau bordel, hein. J'aimerais pas être la personne qui va ranger. J'ai adoré celui-là, et on va passer au dernier. Oh ouais, d'accord, regarde. Du cul, du cul, du cul. Le tout dernier, je pense que tout le monde a super hâte d'ouvrir celui-là. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent d'Orcel. Wouh! T'as pas tout débarrassé? Il en reste un peu, là. Alex, tu peux faire un petit plan sur... On l'ouvre dans l'ordre celui-là ou pas? Mais non, on l'ouvre dans l'ordre. Non, qui moi j'ouvre pas le 1. Pas le 1? Non, moi j'ouvre que les gros chiffres. Bon bah j'ouvre le 1. Et coupé. J'adore. C'est des dés pour faire des jeux de cul. Viens, Fab, viens, on lance les dés, on fait l'action. On fait l'action, elle fait l'action. On est que sur les dés, c'est très hot. Je suis pas sûr qu'on va le faire finalement. Mordiller les pieds! Allez les gars! Pourquoi c'est moi qui te boufferais les pieds? C'est l'échelle, hein, c'est comme ça. Tu veux pas mordiller les pieds de Fab? C'est un peu sale, hein, dans ces grosses New Balance là. Ça en vrai c'est sympa, je garde. Pour jouer avec qui? Pour tout seul, c'est bien. Tu vas jouer avec ton T1, mordiller les pieds! Ah, ah. Où est le numéro 2? Il y a un mec dedans. Voilà. Oh. Aïe 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 aïe, c'est pour faire chauffer. Oh. C'est pour chauffer, chauffer le chip ça. Ah, lubrifiant embrassable. Comment ça, embrassable? Tu sais, c'est consommable quoi. Goût Mojito. Ça veut dire que tu peux mettre sur ta et quand ta meuf elle te suce, bah du coup elle a un goût Mojito dans la bouche. T'as bien le Mojito toi? Mais embrassable. Moi j'adore. Mais en vrai j'ai envie de goûter aussi. Moi aussi j'ai envie de goûter. Fais-moi goûter. Waouh, vous êtes tous super bizarres. Je vais vous dire si ça a le goût de Mojito. C'est la première fois que je vais goûter du lubrifiant de ma vie. Hein. C'est toujours plus agréable de faire une fellation avec un goût Mojito qu'un goût fromage quoi. Fromage. Qu'un goût rush d'offus quoi. Oh merde! Oh non! Mathis, tu commences déjà à casser mon calendrier préféré là! Oui, bah d'Orcel, faites un effort sur le packaging. Ah, faut pomper! Oh là! Alors là, c'est deux mains qui se. Je le prends où? Ah, c'est gluant! Ah! Tu lubrifies! Oh! Ça sent fort! Et je sens d'ici! Oh, waouh! Mais ça sent super fort!
C'est quoi? C'est un petit truc qui vibre. Mais attends, il est tout petit, il est mignon. Regardez. Bah, force à vous. C'est pour le clito, ça. 4. 30 pétales de rose. Oh, ça, c'est mignon en vrai, les petites pétales de rose. Oh. C'est sympa, je garde. En fait, j'ai fait exprès de passer deuxième parce que je savais que j'allais tomber sur le numéro 5, qui est le premier long. Oh, c'est super léger. Ça va être un plumeau. C'est super léger, j'ai trop le ménage. C'est un chibre pas plein. Oh, oh j'adore. Oh. C'est un masque pour dormir dans l'avion. Bah, je pense que si tu mets ce masque, c'est pas pour dormir, quoi. Oui, oui, oui. Oh. Mathis, on est là, on est là. Ouais, c'est sympa. Ok, à toi, Fab. Il est grand celui-là. En plus, il y a marqué Dorsel là. Fab, il est très high-tech. Oh, les lacets d'Arman. Oh, c'est trop bien, je voulais changer les miens. C'est marrant ça. Elles sont grave douces. C'est pas rugueux comme une corde. Est-ce que je peux attacher Fab? Oh, t'es un faux. Fab, on est obligé de tester tous les produits. Je pense que tu peux accrocher tous les membres en même temps. Les membres de ma famille? Oui, moi aussi. Touche à un membre. Vas-y, moi, serre bien fort là. Non, maître Mathis, pas trop fort, pas trop fort. Et si Fabien, tu vas y passer. Et là, à toi Théa. Oh oui, donne-moi ça. Mathis, tu étais méchant. Fais voir. Ça doit fouetter. Ça c'est fort, sûr, hein. Arman il fait ça. Ça c'est pas drôle. Alors. Hein. Ah mais ça va pas. Tu m'as mis dans la figure, ça fait super mal. Mathis, tu es méchant. Ok, vas-y Fab, 8. Oh c'est lourd un peu. Ah ouais. Le jeu pour adultes. Oh. Là, faut penser au futur tracking de Théa. Elliot. Énorme, wesh. Ah bah ça va, on se situe bien là, Mathis. Bah franchement, non, mais ça va. Ça se trouve, ça va crescendo. Oh, y'a le petit truc là. Ah ouais, c'est bien. Non, mais tu vois, là, c'est too much par exemple. Ouais. Par contre, c'est super doux. Oh, on dirait une petite baleine. Un mois. Oh, t'as un mois. Oh, j'ai un mois de vidéo porno. Alors ça, je le peux l'avoir, je peux l'avoir. J'essaie de mémoriser le code. Oh, il fonctionne. J'aime bien. Mais ça vit vachement fort, hein. J'adore. Pile ou face, celui qui tombe sur pile, il gagne le 1 mois d'abonnement. Bah, prends, tu prends pile là. Ouais. Moi, je prends face. Je sais plus c'est quoi. Hein. Moi non plus. C'est face. Pile. En tout cas, le numéro 23, il a sympa. Ouais. Cadeau, Mathis, tu peux te b***er tous les soirs. Non, mais viens, on le donne à la commu. Ah, oui. Ah ouais, je le donnerai à la commu. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est lubrifiant. Attends. Ah, celle-ci, elle est trop bien, celle-là. Attends, faut appuyer, non? C'est pour mettre ça de côté dedans. Hein? J'adore par contre le design. Oh, c'est des jeux à gratter! La loterie des plaisirs. Oh! Des jeux à gratter, moins de 18. Un cunilingus. Ah, c'est des bons. Ah, c'est un bon pour à offrir. Sensation haute, lubrifiant, base eau. Ok, encore un lubrifiant. Tu goûtes? Oh, c'est lourd! Oh putain! Oh, mais il y a la photo derrière! Oh, c'est un collier. Oh là! Oh non, c'est la roulette! Pardon? C'est sûr? Ah oui. Mais non, c'est pour les seins. Ça, ça peut être canon sur une chemise. Oui, un accessoire mode super sympa. Ah, c'est un plug anal. C'est un truc dans un truc. C'est dans le plug anal, c'est le plug anal. C'est vrai? Ah, oui, c'est un plug anal, ouais. Attends, mais ça, tu mets ça dans le cul? Dans le cul, et tu vois quand tu ken, il y a ça qui ressort. Mais ça va, respectez-moi. Mais ça vibre pas. Le moment où tu dois passer ça là, quand t'arrives ici, ça doit être un soulagement. Non, ouais, ça va, en vrai, je suis sûr. Comment ça? On va le donner à Fab, je crois. Let's go! Mais non, c'est des menottes. C'est des menottes. Ça, c'est mon truc prêt. Menottes en fourrure, j'adore. Ah, putain, je les veux. Qu'est-ce que c'est? Mais si, c'est des menottes. C'est des menottes, ça? Oh, elles sont super mimes. Ça, c'est pour être enchiéné. Oh, c'est trop agréable. Notre 24 heures menottée. On pourra faire avec ça? Non, bah, non, sinon. Non. Ah, le voilà, le plumeau. J'attendais le plumeau. C'est pour chatouiller. Pour la poussière. C'est bizarre, t'as l'esprit tordu. Hein. Oh non, c'est trop mignon. Hey, goody. Prochaine case. Il te manque une case, toi. Bah, là, c'est un peu le thème plume, 17. Quoi. 7. Ah, c'est des cache-tétons avec des paillettes. Très star. Cache-tétons aimantés avec des paillettes. Aimantés? Collant. Ah, c'est Iron Man. C'est super mignon ça. Un top à paillettes comme ça en étoile. Ah oui. Au pire tu peux combiner ça et ça comme ça au moins. Oui bah, mais je pense que c'est ça, ça fait la panoplie complète quoi. Ouais. Ah, il y a une télécommande. Les amis, élixir de groupe. Appliquez une quantité de la grosseur d'un petit pois sur le gland, ainsi qu'à l'avant et à l'arrière du pénis. 30 euros offerts pour tout achat. Ok, donc ça on donnera à la communauté aussi. Allô pour... Il y en a un autre avec télécommande là. Ça c'est une manette de Switch. Ah, il y a des petites variantes et tout, c'est trop stylé. Ça c'est le womanizer alors. C'est une agrafeuse. Ah, c'est une pochette pour ranger tous les trucs. Un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de gros chibre. Double cock ring. C'est la fin de ce calendrier et du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous aura fait rire ou que ça vous aura diverti. Si jamais, ça peut aussi vous donner des idées pour l'année prochaine, de penser et de trouver des calendriers qui sont un peu originaux, etc. Si jamais vous voulez changer un petit peu du calendrier de l'avant classique. Les réseaux de Fab et de Mathis dans la description. On se retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos. Prenez soin de vous, profitez de votre mois de décembre. La bise. Hop là, et la baise.